Bonjour à tous, c'est Cédric, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour travailler ensemble une chanson de Kenji qui s'appelle Évidemment et qui pose problème à pas mal de personnes. Je vais faire en sorte aujourd'hui dans cette vidéo de vous donner certains éléments techniques très importants à prendre en compte si vous souhaitez chanter plus librement. Donc la première des choses à faire, c'est d'imprimer votre texte. Combien de personnes se lancent comme ça dans l'aventure sans avoir un support, quelque chose où on peut lire quelque chose, où on peut prendre des notes sur cette petite feuille? Moi, le premier, j'ai ma petite feuille avec le petit texte simplement pour pouvoir travailler dessus. Vérifiez la fluidité de votre voix parlée quand vous lisez le texte. Ça paraît tout bête, mais si vous bûchez sur des mots, si c'est compliqué sur des mots, quand vous allez vous mettre à chanter, il est fort probable que ça soit exactement la même chose. Nous allons le faire ensemble. Si vous êtes prêts, on y va. On va simplement vérifier la fluidité. Prenez votre voix parlée tout simplement et nous allons faire ceci. C'est pas donné à tous les humains de pardonner les mauvais chemins, même d'un rien. Voilà, vous le faites une fois, vous le refaites une deuxième fois. C'est pas donné à tous les humains de pardonner les mauvais chemins, même d'un rien. Et petit à petit, vérifiez un petit peu ce qui se passe. N'hésitez pas à vous regarder dans un miroir. Ce n'est pas être, comment dire, narcissique de vérifier dans un miroir ce que vous êtes en train de faire, simplement pour aussi avoir une mémoire visuelle de ce qui se passe. D'accord? Donc on reprend. Donc, c'est pas donné à tous les humains de pardonner les mauvais chemins. D'accord? Vous faites ça plusieurs fois. Nous allons, juste après ce mode parler, le mettre en voix chantée. D'accord? La même chose. Bien sûr, je ne connais pas votre tessiture vocale, je ne sais pas où vous vous placez, je ne sais pas si vous êtes plutôt une basse, un baryton, un ténor, une soprane. Enfin, le plus simple à faire, c'est essayer dans cette chanson de prendre par rapport à votre voix parler, vous positionner tout du moins pour le début de la chanson. Si vous sentez que dès le début de la chanson, ça fait « c'est pas donné à tous les humains », bah là, ça va être très compliqué pour la suite de la chanson. Évidemment, on pleure un peu. Bien sûr, quand vous allez arriver par ici, si vous avez pris trop haut par rapport à votre tessiture vocale, ça va être très compliqué. Donc, faites attention par rapport à ça. Bien sûr, aujourd'hui, je ne suis pas là pour ça. Vous pouvez le voir dans mon programme Chanson Express. Je vous explique tout en détail, étape par étape, pour connaître votre zone de confort, d'extra-confort et d'énergie. Donc, je reviens sur ce que je disais. On va se baser par rapport à ce que vous avez fait en voix parlée. Donc, ce n'est pas donné à tous les humains de pardonner les mauvais chemins. C'est pas donné à tous les humains de pardonner les mauvais chemins. D'accord? Au plus proche de votre voix parlée. C'est pas donné à tous les humains de pardonner les mauvais chemins. C'est pas donné à tous les humains. C'est pas donné à tous les humains. Vous voyez, pour une belle élocution, j'apporte de la brillance dans ma voix. Je sais qu'il y a certains chanteurs qui n'ont pas forcément beaucoup d'articulation et se retrouvent confrontés à ce genre de choses. C'est pas donné à tous les humains de pardonner les mauvais chemins. Et on a du mal à comprendre. Donc, c'est super important de travailler la brillance de votre voix, la manière que vous allez articuler pour bien chanter, surtout pour le français, nous qui sommes porteurs de messages à travers les mots, on est très fort pour le texte. Donc, si on ne comprend pas bien ce que vous racontez, ben, il est fort probable qu'on passe à côté de certaines choses, la brillance et votre message que vous voulez transmettre. D'accord ? Donc, faites attention à ça. Rapprochez-vous de votre voix parlée, vous récitez le texte et vous chantez. Juste après, ça peut vous donner vraiment de belles pistes pour éviter simplement de faire du copier-coller. Comme par exemple faire « C'est pas donné à tous les humains !»« C'est pas donné à tous les humains !» On est d'accord, ça, c'est pas du tout mon registre de voix à moi. Votre voix est totalement différente. Peut-être que vous avez une voix comme ça. Peut-être que vous avez une voix comme ça. Donc, essayez de vous rapprocher de votre voix parlée et faites en sorte d'avoir une certaine liberté quand vous faites ça.
D'accord ? Donc, c'est pas donné à tous les humains de pardonner comme si vous continuez à parler. Bien sûr, dans tout ça, je ne parle pas du vibrato que j'ai mis en place, je ne parle pas du soutien musculaire que je mets en place pour maintenir les phrases. Ça, c'est autre chose. Vous pouvez le voir beaucoup plus en détail dans mes programmes de coaching. Maintenant, nous passons à la suite de la chanson où ça dit « Moi, j'ai pu me tromper de route, on a pu se tromper sans doute. » Donc là, on s'aperçoit, dans ce passage-là, que l'intensité de la voix est plus importante. « Moi, j'ai pu me tromper de route, on a pu se tromper sans doute. Tout ça, c'est vieux, c'était pas nous deux. » Là, qu'est-ce qu'on entend dans ma voix ? On entend déjà une voix qui commence à prendre un petit peu d'ampleur. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de faire quelque chose d'intimiste comme j'étais en train de le faire au début de la chanson, mais plutôt à commencer à projeter un petit peu plus ma voix. Donc là, bien sûr, vous allez devoir avoir beaucoup plus de soutien, sans forcer, bien sûr. Soutien ne rime pas avec forçage, bien sûr. Et vous allez devoir vous engager davantage. Donc là, même chose, nous allons faire... Moi, j'ai pu me tromper de route, on a pu se tromper sans doute, tout ça c'est vieux, c'était pas nous deux. Sauf que là, nous allons le faire. Moi, j'ai pu me tromper de route, on a pu se tromper sans doute, tout ça c'est vieux, c'était pas nous deux. Donc, dans ce que je fais en mode parler, on sent bien que ma voix commence à se projeter et à vouloir prendre un petit peu plus de distance. Moi, j'ai pu me tromper de route, on a pu se tromper sans doute, tout ça, c'est vieux, c'était pas nous deux. Moi, j'ai pu me tromper de route, on a pu se tromper sans doute, comme si on continuait à parler, ok ? Moi, j'ai pu me tromper de route. Ok, donc là, la bouche, il faut qu'elle travaille, bien sûr, il faut qu'on ait de la place au niveau vocalique, il faut que ça puisse bien vibrer comme une guitare, il faut qu'on ait de la place dans la caisse de résonance pour pouvoir commencer à amplifier notre voix sans forcer. Hors de question de faire « Moi, j'ai pu me tromper de route, on a pu se tromper sans doute ». Bon, c'est ce qui se passe des fois quand on a trop d'énergie et très peu d'ouverture. Il doit toujours avoir une cohérence entre ce que vous allez donner au niveau de votre soutien et de votre placement vocalique. Et là maintenant, nous allons rentrer dans ce petit refrain qui est Évidemment, on pleure un peu. Là, c'est encore autre chose. Il faut déployer davantage, plus de projection vocale. J'en ai parlé dans différentes de mes vidéos, donc je ne vais pas refaire un point là-dessus. Hein. Je vous laisse aller vérifier tout ça dans toutes les vidéos que j'ai sur ma chaîne YouTube où je parle de projection vocale, où on a besoin que notre voix s'en aille au loin. Aille tout droit vers l'horizon. Hors de question de faire des « Évidemment !» et de forcer, de pousser, de tirer, de créer des tensions que vous ne voulez absolument pas avoir quand vous chantez. Vous devez avoir toutes les libertés. Alors, bien sûr, je vous parle de ça. Je sais que pour certains, c'est compliqué. Je sais que entre le contrôle de votre souffle, l'accolement des cordes vocales, la résonance, le placement, l'articulation, tout ça est compliqué. Et on rentre dans le vif du sujet où dans cette partie de chanson, vous allez devoir avoir, pour certains, pour les barytons par exemple, besoin de votre voix mixte. Donc si tout ça n'est pas en place, il va falloir le travailler davantage. Il faut oser, il faut travailler, il faut développer la technique vocale pour pouvoir projeter votre voix plus librement. Ok, voilà, ça c'était aujourd'hui les premières pistes qui peuvent vraiment vous rendre service pour travailler cette chanson. Ce que je vous ai montré aujourd'hui n'est qu'un petit grain de riz parmi tant d'autres que vous allez pouvoir découvrir dans ce programme qui est un programme de 4 semaines. Et je vous donne toutes les pistes au niveau respiratoire, au niveau découpe de votre chanson, comment trouver plus facilement votre tessiture vocale rapidement, comment travailler une chanson, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Vous pourrez découvrir tout ça dans mon programme Chanson Express ou via Skype en cours de chant en ligne ou en présentiel ici à mon studio
à Évreux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Racontez-moi comment ça se passe pour vous sur cette chanson, quelles difficultés vous rencontrez pour que je puisse vous aider. Voilà, on se retrouve très prochainement dans d'autres vidéos. À bientôt. Bye bye.